Bon, voilà, ben, je suis en train de partir. Je vais larguer les amarres de ce port de Tanegashima. Il est 17h30, 40, il va faire nuit bientôt. Il y a 25 nœuds qui m'attendent là derrière, mais ça va durer peut-être 10-15 heures, je pense, et puis ça va aller. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je suis parti pour l'océan Pacifique. Je suis un peu excité, j'ai un peu des nœuds dans le ventre, mais ça va bien se passer. Allez, à bientôt, hein. Ça bouge dans tous les sens, la mer est bien démontée. C'est un espèce de repère de pirates magiques. Et voilà, je pars de Chichituá. Ma première pêche du Pacifique. Je crois qu'il pleut. C'est des éclairs partout. Je fais pas le fier, je suis un race. J'ai préparé ma TPS au cas où. 1260 mètres, bah, ça m'hallucine un petit peu quand même. Et ça, c'est mon repas. Un atoll au ras de l'eau avec des arbres. Maintenant en me levant, je sors tout faire tout. Et depuis, et ben, on navigue au milieu d'un champ de déchets. Et c'est assez choquant. Une nouvelle terre approche. Et j'ai aucune idée encore une fois de ce que je vais trouver. J'espère qu'ils ont une pompe à essence, mais comme il y a un village, je crois que ça devrait être le cas. C'est Honiara. C'est juste là, je suis dans trois quarts d'heure. Et bah, j'ai du mal à croire que j'arrive là. J'ai du mal à croire que dans trois quarts d'heure, je suis plus tout seul. Il y a Steph et Monica qui m'attendent. Et c'est bizarre, je sais pas où je suis là. Je sais même pas où j'arrive finalement. Ça fait longtemps que je navigue, que j'avance. Je sais que j'étais au Japon et puis là j'arrive en île Salomon, mais. Mais d'un coup d'arriver là avec quelqu'un que je rejoins, bah, je sais, ça me perd, tiens, je perds mes repères. En tout cas, je suis hyper content qu'il soit là. Je sais que ça fait hyper bizarre d'arriver comme ça et puis paf, tu rencontres un copain. Il y a un copain qui est là, qui t'attend, c'est magique, magique. En tout cas, j'arrive. C'est la fin de ce voyage en solitaire sur Maiwan. Pas tout seul parce qu'il est là quand même. Hein. Faut pas l'oublier lui. C'est lui, il bosse quand même beaucoup. Hein.